suis une étoile partout je passe. Oui, bonsoir. Mon prénom est Melvin. Mm-hmm. Donc, ça fait pas très longtemps que je suis dans cette église. C'est par rapport à ma maman Gisèle qui m'a ramenée. Et au fait, je voulais témoigner parce que ça fait 2 ans que j'avais une sciatique. Une sciatique, c'est une douleur au fait qui part de la fesse à la cuisse, au genou, jusqu'à la jambe. Et tous les soirs, quand je dormais, ça venait, la douleur. Elle venait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand j'étais en mouvement debout, je ressentais rien du tout. Mais à chaque fois que je voulais dormir, ça venait. Et donc j'ai tout essayé, les médicaments, mais ça marchait pas. Et jeudi, il y a 2 semaines, c'était à la réunion de prière, et c'était le prophète Stéphane qui était en train de prêcher, et donc il priait au fait sur les maladies. Donc on est tous venus devant, et il a prié, et moi je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu dis que tu es celui qui guérit les maladies. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. Et tu as dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc je me suis dit, ben, moi aussi, donc, je suis capable de guérir. Donc c'est comme ça, au fait. Après là, dès qu'on a prié, le soir, quand je suis rentrée, plus de douleur à partir de là. Tout est parti. Et tu vas demander à Dieu de sécuriser sa vie. Et que c'est qu'il a commencé, qu'il achève. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour la guérison. Merci, Éternel, pour le miracle. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient rendus. Nous te levons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Seigneur. Sois loué, sois adoré. Au nom de Jésus, que aucun malheur ne l'atteigne. Que le sang de l'agneau la couvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise un amen. Donne-moi une amen prolongée. Tu vas te présenter et tu vas nous dire ce que tu as fait dans ta vie. Je m'appelle Gwali Brice. Mm-hmm. Ça fait pas longtemps que je suis là. Et tout le monde sait ce que c'est que élever un enfant de 15 ans. Donc, dans ce but, je suis venu croiser le prophète. Et quand nous sommes rentrés dans son bureau, il a tout de suite vu mon fils. Il a dit, bon, je vois ton fils dans un avion avec plein de médailles. Bon, je peux souligner que mon fils, depuis 4 ans, il fait du judo. Il a pris la relève, donc il fait du judo. Et il est rentré dans une école de judo en ce moment. Bon, quand le prophète l'a dit, bon, quand on est sorti, j'ai dit, bon, on te dit, tu vas aller en Chine, c'est quoi cette histoire? Il me dit, non, papa, l'année prochaine, il y a un championnat du monde cadet de judo au Japon. J'ai dit, ben, c'est bien. Donc, tu travailles et puis tu verras. Et là, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une convocation de la fédération, comme quoi mon fils, il est sélectionné pour un stage au mois de... Clame très fort le Seigneur. Et ce stage va commencer le 16 août à Poitiers. À l'issue de ça, maintenant, c'est le boulot lui revient et bon, je vais continuer à prier pour qu'il soit sélectionné pour aller au Japon. Alléluia. Oui, tu vas interpréter. Thank to the Lord for the life of our daddy Gwali, for the life of his son Abdullahi Brice. He went for a special consultation to the prophet. And the prophet gave him a prophetical word saying that I see your son be rewarded with a lot of cup and all those things for sportive people. And for a while, he received that prophetic message. But today he received a call from the club where the son used to train himself that he had received an invitation for the national team for the training. And after a while, in August, they will see how the future will hold. But he believed that as the prophet has said it, God will continue to perform the prophecy. We thank God for the life of this family. In Jesus' name, amen. Très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Vous allez vous rapprocher. Tu vas tendre la main vers eux. Tu vas demander à Dieu de tendre sa main sur la vie de son fils. Et que ce qu'il a commencé, qu'il achève. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, ton serviteur Abdullahi Brice, mon Dieu. Tu le connais mieux que moi. Éternel, agis et manifeste-toi. Je prie, Seigneur, ô Dieu, de la même manière que la révélation est sortie de la bouche de ton serviteur. Seigneur, qu'il y ait une suite, qu'il y ait une fin, qu'il y ait une continuité.
Seigneur, merci pour son stage. Éternel, nous te confions son stage. Que tout se déroule, mon Dieu, selon ta volonté. Seigneur, agis et protège-le. Que aucun malheur ne l'atteigne. Merci. Nous ôtons le blocage sur sa vie. Merci. Ça marche. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Je voudrais remercier l'Éternel des armées pour ce qu'il a fait. Quand je suis venu à Paris, cette médaille que vous voyez, je l'ai trouvée dans un studio. Dans un studio. Voilà. Et moi, par l'entremise de mon frère Toali, j'ai connu cette grande maison. Cette maison de trésor. Aïe, il y a le soleil. Tu trouves une grande maison. Je dis, bon ben, viens, allons, je vais te faire bénéficier de cette grâce-là. Au départ, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Bon, ben, chemin faisant, elle m'a suivi. Et le mois de mai et mars, on arrive là, mais entre-temps, je suis devenu commando à l'église. Et on l'appelle ici. Je suis derrière elle. Papa dit, ah, d'accord, c'est toi-même qui es derrière. Je vois une grande maison. Je vois des clés. Tu seras logé. Quand papa a dit, tu seras logé, j'ai souri. Parce qu'entre-temps, dans le studio, on a une petite fille de 7 ans. Tu ne dors pas vite. Et donc, tu perturbes les choses. Donc, j'étais très content. Alors, on dit, voilà, tu auras une grande maison. Il dit, Dieu merci. Mais mars, on est début juillet. Mais entre-temps, le démon, le Satan, qui est toujours à côté, a remué sa queue. Et je suis allé en voyage. La prophétie attendait que j'arrive d'abord. Et dès que je suis revenu, on appelle madame. On dit, mademoiselle Lipa, venez nous voir. Elle part, donc. Voici les clés. Voici les clés. Et désormais, de la manière que je dansais, là, je ne peux plus danser comme ça. Oh. Je vais danser avec les bras maintenant. Alors, nous sommes venus glorifier l'Éternel et saluer les hommes de Dieu qui nous ont bénis. Et j'exhorte donc toutes mes sœurs ici présentes, mes frères, de croire en ce Dieu, en ce ministère. Dieu est là. Je glorifie l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, le prophète est la bouche, est l'oreille et les yeux de Dieu. Seigneur, merci. Sécurise leur vie. Seigneur éternel, de la même manière que tu as commencé, que tu l'achèves, que ce miracle soit continuel, progressif, mon Dieu. Merci de te glorifier dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tous nous pouvons tous nous tenir debout? Est-ce que tu peux te lever? Vous pouvez vous asseoir? Bon, ok. On peut s'asseoir. Il a juste oublié. On peut s'asseoir. We thank the Lord for the life of this couple. Mm-hmm. Nyole Sule and Lee Parita. They received a prophecy in the month of March. But before giving testimony, he sang in a local language. They sang, Jesus wept away the tears. The sorrow tears. He received a prophecy in the month of March by through the mouth of a major prophet. And the professor that I see you having a new apartment. And in the beginning, we were living one room. In fact, we used to call it studio. And after a match, and last week, they called the wife, Lee Parita, and she went to visit a new apartment, two bedroom and all. Now we call it French F3. And he thanked the Lord for this miracle and the fulfillment of the prophecy in their life. Thank Jesus. Amen.